Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une recette et aujourd'hui on va faire un extrait de concombre. Donc on commence toujours par nettoyer son plan de travail et ses instruments, de les désinfecter et moi je fais tout ça avec de la vodka. Je commence pour cette recette par découper donc mon morceau de concombre, donc je vais le détailler comme vous le voyez en petits cubes. Je vous conseille de le prendre de préférence bio puisque comme vous le voyez là, on utilise la peau. Je prends ensuite un bocal en verre donc, que j'ai au préalable nettoyé et stérilisé et je viens y placer mes petits morceaux de concombre. Je rajoute maintenant l'eau, puis la glycérine végétale. Je n'oublie pas de rajouter le conservateur pour que ça ne moisisse pas. Et ensuite, je mélange bien. Il ne me reste plus qu'à fermer donc mon bocal et à le mettre au frigo pour 15 jours. On se retrouve après 2 semaines donc de macération au frigo et on va tout de suite filtrer notre extrait de concombre. Pour cela, vous aurez besoin d'un bocal en verre, d'un entonnoir et d'une petite passoire. Maintenant, l'étape la plus simple, donc on va filtrer notre extrait de concombre et pour ça, rien de plus simple, on vient simplement verser tout le contenu de notre pot en verre donc dans la passoire. On prend le temps de bien laisser égoutter le tout et ensuite, on n'aura plus qu'à mettre un couvercle et à le garder au frais. Je vous invite vivement à faire un tour sur le blog pour connaître toutes les proportions de cette recette ainsi qu'une petite recette de sérum hydratant que j'ai fait avec donc cet extrait de concombre. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de bisous, à plus, ciao !